Dieu, il a ressorti le G29, annoncerait-il un retour sur Euro Truck, le retour des lives sur Twitch? Mieux encore, va-t-il un jour finir Stranded Deep? Peut-être une nouvelle survie sur Scrap Mécanique? Pop. Beaucoup trop de questions d'un coup. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, vous vous calmez les mecs. Alors là par contre, je suis pas sûr que ça passe les mecs. Ouais, franchement, j'ai eu un spasme, je me suis dit vas-y, on va sortir le G29. Je le regardais du coin de l'œil, il était juste à ma gauche comme ça. Ça me titillait, je me suis dit allez, vas-y mon gars, c'est parti, on le branche. Et du coup, on est parti sur comment il s'appelle ce jeu déjà? Putain gros, je l'ai lancé, je sais même plus comment il s'appelle. Snow Rider, un truc comme ça. Mon dieu, je vais me faire insulter. Bref, on est parti sur ce jeu de camion, ma foi, qui m'a l'air super bien. La suite de Mad Runner, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oh putain, ça passe ou pas en vrai? La honte, il lance un jeu, il sait même pas à quoi il joue. Bah bien sûr que je sais les mecs. Comment qu'il s'appelle ce jeu déjà, bordel? Voilà, SnowRunner, c'est bon, je l'ai. Je savais que c'était un truc comme ça, j'étais pas loin, SnowRider. Oh, ça fait plus jeu de snowboard. Alors oui, je vous écoute dans les commentaires, hein. J'ai pas lâché les jeux, les mecs, hein. Loin de là, moi je suis un gamer avant tout, hein. C'est juste que bon, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas redémarré un jeu vidéo. Et je vous parle d'un jeu vidéo tout confondu, hein. Que ce soit de mon côté ou pour YouTube, ça fait vraiment... bah ça fait au moins... ouais, au moins 3-4 mois que j'ai pas redémarré un seul jeu vidéo. Hormis le jeu sur mon Oculus Quest, mais ça je le compte pas, c'est le petit ping-pong, c'est mon petit plaisir du soir, mon petit plaisir quotidien. Tiens, on va passer à la pompe à essence vite fait, on va faire le plein. Oh là là, cette manœuvre mon gars, mais laisse tomber. Eh, j'avais oublié à quel point c'était kiffant de jouer avec le G29, c'est un truc de ouf. Franchement ouais, je vous avoue là tout de suite dans l'état, ça annonce peut-être bien un petit retour des lives sur Twitch avec Euro Truck Simulator. Il y a moyen. Allez, pef! On a une mission, trouver le garage. On va voir où est-ce qu'il est, bien entendu, les mecs. Comme toujours, je compte sur votre soutien. Vous me faites péter le petit pouce bleu et vous me mettez un petit commentaire sous la vidéo. Tiens, question du jour. Avez-vous des chats chez vous? Eh ouais, c'est une question comme une autre. Je vous dis ça parce que moi, j'en ai plus. Mais je compte peut-être m'en reprendre un. Ouais, j'ai peut-être un petit plan chaton en ce moment. J'en sais rien. À voir. Ah ouais, non mais laisse tomber, mais ça fait grave de la route, il est loin le garage, regardez, nous on est ici. Bien sûr, vous avez le petit lien G2A qui est dans la description, hein, comme toujours. Vous avez même éventuellement SnowRunner qui est sur le site, si vous voulez l'acheter. Donc ça, c'est cool. Ah ouais, quand même. Bon alors, je nous ai fait un petit trajet, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Franchement, je pense qu'on va prendre une route plutôt sécure, enfin je l'espère. Après, bon bah, on bascule dans l'inconnu, hein. On va aller d'ici jusqu'à là-bas. Puis on va voir, hein. J'avais oublié à quel point c'était un kiff de conduire avec le G29 et tout. En plus, là, sur SnowRunner, franchement, ça déchire. On va éviter de casser le camtar dans un premier temps. Et on va éviter d'arracher les panneaux. Ça passe mon gars, nickel. Donc oui, effectivement, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas démarré un jeu, que ce soit sur la chaîne ou même pour moi personnellement, hein, j'ai même pas touché, j'ai rien démarré les mecs. J'ai même pas démarré une Game Boy ou quoi que ce soit. Rien, que dalle. Bon, hormis bien sûr mon jeu de ping-pong sur l'Oculus Quest. Mais ça c'est parce que je le kiffe, j'en fais tout le temps, quasiment tous les jours. Et ouais les mecs, déconnez pas, là vous... Oh putain. Attends, je pars en drift. On va se mettre une petite vue intérieure. Ouais, ouais, là les mecs, vous parlez au deuxième mondial de Rocket Fury en simulation. Deuxième mondial en simulation. Premier mondial en arcade. C'est pas rien. Eh ouais, je déconne pas. Mais là, je suis passé sur Eleven 11, si vous connaissez. C'est un jeu de ping-pong, toujours simulation. Et franchement, je suis plutôt bien classé. Donc, ça c'est cool. Qui s'en fout? N'hésitez pas à lever la main dans les commentaires si vous en foutez. Ça me ferait plaisir. Non, franchement, c'est cool quoi. Donc oui, je sais, je vous avais dit qu'on allait finir Stranded Deep. C'est vrai, on l'a toujours pas fini. C'est pareil, hein, Scrap Mécanique. J'aurais pas redémarré une petite survie. Pourquoi pas? À voir, franchement. À voir, où est-ce que je passe les mecs là? Où est-ce que... Oh, attendez, on va repasser en vue extérieure là. Parce que je sens que ça va merder. Oh là, un tronc d'arbre! Ça passe mon gars, ça passe. Oh là là, c'est tellement kiffant avec le G29 et tout. Donc ouais, je vous dis, je redémarrerai bien une petite survie sur Scrap Mécanique avec vous en live. Ça pourrait éventuellement le faire. Surtout que je sais que là, ils annoncent une grosse mise à jour. Donc rien à voir avec SnowRunner, tout ça. Hein. Mais c'est vrai que ce genre de petit jeu, ça me permet de vous parler, de faire un petit peu le point sur ce qui se passe sur la chaîne et tout. Alors ça pourrait aussi annoncer le retour des vidéos sur la deuxième chaîne. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble dessus. Donc ça pourrait être cool. Les dernières vidéos qu'on a fait, je crois que c'était sur Bioshock, il me semble. Bioshock, Borderlands, c'était des petits tests jeux Nintendo Switch et tout.
Donc c'était super cool. Je vous parle de ça, ça fait déjà un moment maintenant. Hein. Alors c'est pareil, je vous dis, ça fait 3-4 mois que j'ai pas démarré un jeu vidéo sur la chaîne. Mais pour vous, ça fait moins longtemps. Puisque si vous vous souvenez bien, j'avais fait des vidéos d'avance. Ça passera jamais, les mecs. Ça. Attends. 2 secondes. On se détend, on va regarder où est-ce qu'on est. What? Mais on parle. Et je suis déjà là, moi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là, les mecs. Clairement, en face, je la sens pas. Je sens que le camion, il va rester embourbé. Je sais pas pourquoi. Bon, après, on a le treuil et tout, hein, donc c'est cool. On va passer un petit peu en vue intérieure. Qu'est-ce que vous préférez dans ce genre de jeu? Vue intérieure, vue extérieure? Moi, perso, j'aime bien les deux. Si rien ne marche, vous pouvez utiliser la fonction de récupération. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah ouais, quand même. On peut activer le blocage différentiel. Je crois qu'il y en a pas sur ce camion. Pas de bloc diff sur ce camion. C'est la merde. Allez, on va tenter d'y aller comme ça. Voilà, on va y aller comme ça. Non, on va pas faire de récupération de véhicule. On va y aller en mode RP. Oh là là. Mais où est-ce que je me suis engouffré, les mecs? Non, mais je savais qu'on allait s'embourber de toute façon. C'était sûr. Et encore, ça va que je suis passé par là. Parce qu'à mon avis, si on serait passé en face dans la grosse flaque d'eau là, dans les marais. Bah, tu me diras, on est déjà dans les marais par ici, mais. Ça aurait été pire, les mecs. Ça aurait été. Je passe en vue intérieure. Ouais, vous m'avez pas répondu au fait. Vous préférez la vue intérieure ou la vue extérieure? Enfin, vous m'avez pas répondu. Façon de parler, quoi. Attends. Je me concentre. Je vais pas faire deux manœuvres raster, les mecs. On se concentre. Ok. C'est. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète. Ça passe, gros. Excellent, je redémarre. J'étais sûr que ça allait passer, les mecs. Y'a moyen que je fasse un truc ou quoi là avec ça? Attends, vas-y, tire mon gars. Tire. Ok. Doucement. On part en marche arrière. Doucement, j'ai dit. Voilà, on part en marche arrière, en marche avant. Un peu de marche arrière, un peu de marche avant. On fait ce qu'on peut. On va y arriver, les mecs. Vous inquiétez pas. Ou pas, j'en sais rien. Franchement, là, je suis sûr de rien pour le coup. Regardez. On va y aller. Oh putain, on sort. Oh là là, nickel. Cette chatte monstrueuse que j'ai eu avec mon camtar, mon vieux. J'ai cru que j'allais jamais sortir d'ici, quoi. Laisse tomber. C'est un truc de ouf. J'ai cru qu'on allait rester coincé ici. Attendez, parce que là, le périple ne fait que commencer. C'est pas fini, hein. Et je vous jure, le garage, il a pas l'air loin, mais... Il est pas loin, mais il a l'air tellement loin à la fois. Attendez, on va passer en vue intérieure. Moi, je kiffe regarder ce genre d'émissions, les routiers de l'extrême et tout. J'aime bien quand ils sont en Alaska. Genre sur les lacs gelés et tout. T'es sérieux ou quoi? Il avance pas? Attends, je suis embourbé? Ah, mais ouais, mon gars. Et puis, pas qu'un peu, même. Attendez, on va sortir le treuil. Voilà. Voilà, c'est bon, vas-y, on va sortir comme ça. Nickel. Oh là là. Cette maîtrise, quoi, mon gars. Non, mais c'est un truc de ouf. Et puis regardez, on est arrivé, les mecs. Alors surtout, n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous attendez, si vous attendez un petit peu le retour de Scrap Mécanique, si vous voulez voir du ETS2 ou quoi. N'oubliez pas de vous abonner à la deuxième chaîne YouTube, parce que ça risquerait d'arriver là-bas éventuellement. À ma chaîne Twitch aussi, tout ça. Ça fait plaisir, vous avez découvert votre premier garage. Mais ça, c'est cool, franchement. Et ça me fait plaisir, quoi. Oh là là, est-ce mission, mon gars? C'était tellement chaud. Nouveau véhicule découvert. Yes. Alors attendez, déjà, on va se garer. Yes, contrat accompli. Nickel. Vous pouvez utiliser le garage pour transformer votre camion en un véritable monstre. Les marais du coin seront vos autoroutes quand vous avez terminé. Récupérez un contrat et sortez conduire. Vas-y, j'achète un nouveau moteur, les mecs. Ok. On est parti en Alaska cette fois-ci. Attends, vendre? Bah bien sûr que non. Déployer? Bienvenue en Alaska. Maintenant que vous connaissez les bases du jeu, vous pouvez explorer, accepter des contrats. C'est pas vrai que j'ai juste fait le didacticiel? Oh là là. Oh, excellent. Ok, donc nous on est là. Ce que je vous propose, voilà, on va aller déverrouiller un bout de map. On va aller faire la tour de guet là-bas. Et on est y part. Normalement ça va. On n'est pas spécialement trop loin. Et puis avec le 4x4, à mon avis, ça va passer mes crèmes. Par contre, il avance pas, mais c'est un truc de fou, quoi. Ah, j'aurais pensé qu'il aurait eu plus la niaque que ça. On va passer par là. Attends, tu vas me dire, avec le 4x4, ça passe, mon gars. Tu rigoles ou quoi? Ouais, tu veux pas me dire qu'un machin comme ça, oh. Tu la bourres des champs avec ça, tu rigoles? Bah oui, bien sûr, je veux bien, attends. Évidemment que ça passe. Alors attendez, est-ce qu'il a le différentiel, celui-ci? Oui! Il a le différentiel. En principe, on va pouvoir sortir de là avec le blocage différentiel. Putain, mon gars, par contre, la direction, elle est pas assistée sur le 4x4. Hein. Je la sens tellement pas. On va tenter de passer sur le pont là-bas.
J'ai toujours le blocage différentiel d'activer. Je la sens pas, les mecs. Allez, on y est, c'est bon, impeccable. Bon, en principe, lancez l'observation. Ah, j'adore. La map qui va se découvrir et tout. Ah, bah voilà. On y voit déjà plus clair par ici. Il y a l'air d'avoir quelques missions dans le coin. Là, il y a des contrats, les mecs. Hein. Voilà, on va se mettre un petit point ici. On va aller chercher la mission. Après, c'est le temps aussi que je me remette. Oh putain, tu te calmes. Attends, je vais enlever le blocage différentiel, les mecs. Ok, je pense que ça va le faire. Après, en vrai, c'est le temps que je me remette dans le bain et tout, tranquille, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à SnowRunner. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti le G29 tout court, en fait. Je suis sûr que là, je reprends Euro Truck. Laisse tomber, je vais me prendre toutes les barrières de sécurité. Enfin, comme d'hab, quoi. En fait, non, ça va pas changer. Non, ça va. Je me sous-estime. Faut que j'arrête de sous-estimer ma conduite. Je suis un pilote, vous le savez quand même. Vous m'avez vu conduire plusieurs heures sur plusieurs jeux, que ce soit sur Euro Truck, sur The Crew, sur Mud Runner, sur SnowRunner, sur BeamNG. Ah, ça, BeamNG, j'aime bien, mon vieux. Les cascades. Ça, y a pas de souci. Ah, ça, c'est clair que pour péter les bagnoles, les mecs, y a aucun souci sur BeamNG. A voir pour refaire des petites vidéos dessus, ça pourrait être sympa. Vous me dites tout ça dans les commentaires, bien sûr. Et je pars en cacahuète avec le 4x4, mais laisse tomber, j'arrive même pas à tenir la route avec. C'est un truc de ouf. Regardez, en fait, c'était pas si loin que ça. Le contrat, il est juste ici. Bon, écoutez, les mecs, on va se laisser pour cette vidéo. On fera éventuellement cette mission une prochaine fois. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous me faites péter le petit like, le petit commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas, hein, vous rejoignez dans la description. Il y a plein de trucs, les réseaux sociaux, la deuxième chaîne, tout ça, tout ça. On se dit à bientôt et à bientôt.